Salut les gens, c'est France. Waouh, le micro est loin. Le micro est loin. Le micro est loin. Le micro se rapproche. Il se rapproche. Il est là. Voilà, vous devriez beaucoup mieux m'entendre. Pour votre malheur ou votre plaisir, c'est à vous de voir. Bref. Bon, j'en étais où? On en était où? Oui, guerre, Crimée, ok. Légitimisation. Non, je suis pas bourré, je vous promets. Je suis juste en train de craquer psychologiquement, mais c'est pour un autre sujet. Je vous passe les détails. Pourquoi je suis en train de légitimer cette merde? Voilà. Ok. Donc là, en théorie, l'autre Jean-Jean. Ben voilà, je vais accorder les provinces. Encore. Accorder les provinces. Oh, oh là là, le fragile. Pas chez moi, je m'en fous. Alors, donc on avait dit ottoman. Donc ottoman pour moi c'est ça. Ok. Ensuite, on a dit ottoman et France. On va faire les deux d'un seul coup. Ça me va bien. Donc qui dit France dit France. Je pense que les batailles à... Salaud. Ah. Ah, t'as rompu l'alliance, Roger? Oh, t'es vraiment un fragile. Oh la vache. Ah, niveau fragilité, t'es pas mal, toi. Au revoir. Ok, pas de problème. Hop. Toi. Ici. Non, tu veux pas. Ici, voilà. On va essayer de faire des choses intelligentes. On va recruter une armée parce que je pense qu'on est là. Pas tant que ça au final. Bon, c'est pas grave. Oui, je m'en fous. L'agent découvert. Conversion, c'est très bien. On va aider à convertir les provinces ennemies. Hein. Bah, les provinces de nos peupettes. Voilà. Ouais, c'est pas grave pour l'inflation, on arrivera largement à la tanker. Ok. Ah oui, il fallait qu'on revoie notre politique de gestion de fort en fait, parce que ça c'était un peu compliqué chez nous. Hop là. Alors toi t'es bien. Toi t'es pas mal. Toi tu peux pas t'améliorer. Toi visiblement t'es bon. Et les remparts? Un endroit où on a des forts, hein, bien évidemment, c'est quand même vachement plus meilleur bien. Ouais, vas-y, mets un rempart ici parce que pourquoi pas. Mets un rempart, le fort il est où? Le poker, je crois, on est d'accord. Oh, tu mets un rempart ici. Le truc il est imprenable sur une décennie environ, quoi. Ouais, c'est pas mal. Bon, écoutez, on va voir ça. De toute façon, il faut qu'on regroupe notre groupe, qu'on fasse un peu le ménage. Des généraux, on va en recruter un nouveau. Ouh, ma Z4 de siège. Tu sais me parler, toi. Notre flotte, elle est là. Ce light-là, il va s'améliorer. Il va aller protéger le commerce à... Alexandrie ou Constantinople. Alexandrie, je suis sûr que c'est le plus juteux. Ouais, c'est plus juteux. Go. On peut faire des bateaux. On peut faire des bateaux. Donc on va faire des bateaux. Voilà. Ok, parfait. Et toi, tu vas ici. Pose pas de questions, vas-y. Ensuite, comme on a des points, tout ce qui s'ensuit... Ah, toi, tu... Oui, ça, c'est nickel. Eh ben, nouvel amiral. Prends celui-ci, au final. Toi, Valence. Il n'y a que lui à Valence. On va tout refaire, là. On va tout refaire. Il y a des choses qui me plaisent pas, là. On va tout refaire. Ah ouais, ça va être le moment gestion pourri du moment du jeu. M'en voulez pas, c'est normal. Tiens, nouvel amiral. Voilà, toi t'es pas mal. Alexandrie, d'accord, on verra ça plus tard. Hop. Ok. Qui fait quoi là? Toi tu fais quoi? Raguse, ok, ok, tu vas te calmer, tu vas aller à Raguse. Ok. Bon, d'un point de vue... Déjà, il y a ça. Ensuite, d'un point de vue protection du commerce. Je pense que toi, t'es rentable. Ah, Séville est très rentable aussi. Ok. Valence légalement. Ouais, mais tu vas aller à Alexandrie quand même. Toi, tu vas aller à Alep. C'est si rentable que ça. Ouais, c'est rentable Alep. Ok, parfait.
sache, c'est parce que tu branles, mais tu le fais, t'arrêtes de le faire. Et tu vas aller... Constantinople, c'est rentable. Non, c'est pas rentable, donc ça sert à rien. Tu vas aller à Valence. Toi, tu vas aller à Valence aussi. Protéger le commerce à Valence. Parfait. Tu te replies au port, bien évidemment. Tu poses pas de questions. Tu te replies au port. Toi, t'as pas besoin. Toi, t'es la flotte commerciale qu'on va t'améliorer tout de suite. Et on va te protéger le commerce à Séville. Parfait. Et tu te replies au port, bien évidemment. Ensuite, toi, Alexandrie, ouais, vas-y, on verra pour le reste. Ok, là, on devrait y voir un peu plus clair. Ah oui, toi, Raguse, on s'en tape. Protéger le commerce. Venise, non, pas rentable. Et bah, Valence. Go. Et tu te replies au port en cas de pépin. Voilà. Maison, machin, truc. C'est bien. Pour l'instant, on s'en fout. Ensuite, ici, un commandant. Un amiral. Parfait. Là, pour Valence, il me faut un amiral également. Il est mauvais, mais c'est pas grave. En tout cas, il n'est pas tel qu'on le recherche. D'accord. Ensuite, commerce. Oui, commerce, je pense. Ouais, voilà. Commerce. Et un petit coup de production. Je pense que ça peut être intéressant. Voilà. Là, on commence à être très bien. Ok. On a 2 ans pour attaquer les Ottomans et les mettre en co-belligérant, bien évidemment. On va même constituer un réseau d'espionnage pour être tranquille. Tiens, toi, ce que tu vas faire, comme on est tranquille, tu vas t'entraîner. Les bateaux, ils sont améliorés ou pas? Bon, lui, on verra plus tard. Voilà, parfait. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Hop, pas grave. Ok. Large esprit. Entraîne-toi. Toi, reste ici au final. Entraîne-toi. Toi, t'as pas de général. Oui, mais en même temps, vu où t'es. C'est la France, hein, quand même. Hein. Vas-y, va là-bas. Et prends un général. On a de la place, non? Bah lui, vas-y, hop. Et là, il nous manque un mec, visiblement. Et ben, on va mettre notre monarque. Voilà, et entraîne-toi. Voilà, toi, à la rigueur, tu peux aller là-bas aussi. Ah! Ah, tu t'es encore en train de t'en... Ah oui, pardon. Ok. Bon, parfait. Toi, tu protèges... T'as pas d'amiral, ok. Attends, t'en as un. Voilà, je sais pas ce que ça va donner. Non, crève toi, je m'en fous. Est-ce que l'autre, maintenant, il a terminé sa guerre? Ça, c'est légitimé. Voilà. Tu vas donner Kiev. Oh putain, tu saoules. Ça. Oh là là, il m'énerve. Ok, t'as des dettes? Non. Celui-ci? Pas utile. Ouais, pas utile. Celui-ci, on peut le booster à la rigueur. Celui-ci, pas vraiment utile. On est à 5. Ouais, c'est pas besoin celui-ci. Voilà, et on va demander à tous nos pupettes de, voilà, d'assiéger. Hongrie, qu'est-ce que je peux faire pour te rendre tranquille? Oui, déjà. Déjà. La Hongrie, tu vas commencer à imposer nos rivaux. Voilà. Et la Bourgogne, tu vas commencer à imposer nos rivaux. Je vais t'imposer la religion. T'inquiète pas, c'est normal. Et si je t'impose la religion, normalement, je peux te convertir aisément. On peut faire des fourreaux? Non, pas encore. On peut le faire dans nos colonies? Bah non, ouais. Tin, ok, ça lui fera du bien, lui. Des manufactures, oui. Voilà. Boussons un peu nos régions. Parce que nos régions ont du talent. Oh putain, merde, j'ai sorti la blague, je crois pas. Ah, oui, Osef, merci. Ok, bah là du coup, ce qui nous permet de créer un nouveau stack de 40. Et oui, pas bête la guêpe. Alors vas-y, viens par là, il me faut 900, bon. Voilà, je suis assez bon. Bah, on est assez bon, pardon. Voilà, recrutons. Voilà, ça c'est parfait. Est-ce que ça nous permet de légitimer d'autres provinces? Je m'en tape. Ah, ouais, bah ça j'ai pas le choix. Celle-ci, je m'en tape. Voilà, il nous en reste plus que 2.
Ah oui, mince. Ah bah oui. Mais non, mais quand même. Oui, on n'est pas des bêtes. Hallo, Danemark. Turbino, Croatie, Léon, Irak, Arménie, Grèce, Bosnie, Suisse, Bulgarie, Danemark. Boum. Non, pas cliquer là. Ah, tu seras pro... Ouais, bah, je vais t'imposer la religion. T'inquiète, Danemark. Voilà. Imposer la religion. Voilà. M'en fous. Et tu commences à imposer nos rivaux tant qu'à faire, hein, parce que on n'est pas chez les. On n'est pas chez les porcs ici. Hein. Non, je m'en fous du Tenbourg. Voilà. Bon, parfait. Recrutons, recrutons et entraînons-nous, entraînons-nous. On peut améliorer des carrefours. C'est que Luc. Ouais, c'est pas ultra utile. Ah, ça me saoule que. Azov, genre, on peut pas l'améliorer le carrefour, quoi. Bah, il n'y a peut-être pas de carrefour en fait. Ah, c'est un havre naturel. Bah, celui-ci, ça serait intéressant. Il faudrait qu'il ait 25, il a que 12. Niveau tech, ça donne quoi? On a le temps. Petit port mondial ici. Je ne suis pas contre. 52. 53. Bon, c'est déjà mieux que rien, hein, écoutez. On n'a rien sans rien. Parfait. Et on va construire bah, du coup du commerce. Voilà. Bon, bah, il y a du commerce à faire ici. Hop, parfait. C'est qui ça? Bourgogne mariage, oui, cadeau. Voilà, entraînons-nous un peu. De toute façon, on a jusqu'en 12 hein, en soi. On a le temps d'avoir le temps. Soulèvement à Kiev dans pas longtemps. Ok. Allez, go, on y va. Il faut régler ce problème prestement. Ça donne quoi? Ouais, il n'a pas encore terminé de légitimer. Ouais, ok, d'accord. Nous, on peut mettre des cultures en avant ou pas? Non, pas changer de culture, ça nous coûte un bras. Par contre, on peut faire ça. Vas-y, ouais, le... Fais-lui un bisou. Hop. Est-ce qu'on peut faire... Non, on peut pas le faire. D'accord. Non, c'est la Crimée, ça, monsieur. Bon, il aura du séparatisme, c'est pas mon problème. Hein. Voilà, j'espère que là, ça se calme un peu. Indépendance de Kiev, de Trébizonde. D'accord, Trébizonde, ça va être ici, tout baigne. Bon. Parfait, l'autre il a terminé ou pas? Non, pas encore. Il faut qu'on termine ça aussi. Bon, ça nous permet de nous entraîner, hein, ceci étant dit. Est-ce que toutes les flottes qu'on peut avoir sont en mode repli au port? Toi, t'as une flotte d'attaque. Repli au port. Repli au port. Repli au port. Repli au port, du coup. Repli au port, parfait. J'aimerais bien prendre le petit boost de morale là. Non, payons. On n'est pas loin, ceci étant dit. Hein. Voilà. Je vais essayer de t'influencer aussi, tant qu'à faire, j'ai la thune. Voilà. Perdons 10 en légitimité, c'est pas grave. Ça se passe comment de légitimer ici? Parce que j'ai l'impression que ça dure 1000 ans en fait. Ah, parce qu'il y a un prêtre. Casse-toi. Ah, bah oui, mais non, non, en fait, te casse pas. Ok. Ah, bah c'est bon, il n'y en a plus que deux à bouffer. Parfait. Là, on saute. Ah, on ne l'a pas encore, cette bénédiction pontificale. Ok, bon, bah on va attendre. De toute façon, là, il baisse plus notre. Point zéro quand même, hein. On va devenir révolutionnaire, c'est pas grave. Très bien, ça va être terminé d'être bouffé. Voilà. Non, je m'en fous de cet état. On est déjà à 10K. Hein. On est déjà à 10K, mon Dieu. On n'a pas de merveille, de grands projets qu'on pourrait améliorer. Combien par mois? Non, ça va pas beaucoup. Pas beaucoup, vraiment pas beaucoup.
Franchement, totalement dérisoire. Ok, ça c'est bon. Non, solution, on l'a pas. Ça, on peut pas l'avoir. Ça, Malte, on était bon. Ça, on était bon. 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 Athènes? Ah, pourquoi ça marcherait pas? Parce que. Et de culture romaine. Ouais, bon, ça sera pour plus tard, vous inquiétez pas. Celui-ci, il faut. Ah, on l'a pas. Bon, on l'aura plus tard. Celui-ci, d'accord. Ça, c'est Jérusalem. Ça, c'est pour après. Ça, c'est à fond. Erevan, il y a quoi? Mais c'est pas pour. Ah, il faut qu'il soit. Ouais, bon, crève, ça, je m'en tape. Kiev, c'est quoi pour eux? Il faut qu'il soit. Hein, et ça lui permettrait d'avoir quoi? Ouais, on s'en tape. Ok, et peste à ça. Bon, au final, on a trop d'argent. Youpi. Eh bah, écoute. Faisons tout pour avoir encore plus d'argent. Faisons tout pour encore avoir plus d'argent. Niveau armée, ouais. Ouais, que tout le monde est désarmé, ouais. Hop. Voilà. Des garnisons, ouais. Voilà. Maroc, t'es en guerre contre qui? M'en tape. On va baisser l'autonomie. Elle est déjà baissée à fond. Ça va péter où? Ouais, à Théodoros, tout ça, mais bon, c'est pas. Voilà, et là, normalement. Ah, la trêve avec les Ottomans a expiré. Donc, nous allons prendre toute notre armée. Mettre la vraie carte. J. T'arrêtes de t'entraîner. Toi, tu vas là-bas. Là, t'arrêtes. Voilà, tu vas là-bas. Pose pas de questions. Toi, tu t'arrêtes de t'entraîner. 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 Et toi, tu recrutes un général. On est à fond. Bah, tant pis. On sera à fond. Et bah, tu vas aller là-bas. Dans les armes militaires, on est bon. Réseau d'espionnage en France, on est très bon. Non! Ma révolution! Non, pourquoi? Maman, c'est le bordel. Ah, c'est pile au milieu, hein. Tiens, alors elle est où ta capitale? Ok, bon, je vais pas te mettre à la capitale parce que c'est trop spotted, je te mets à côté. Allez. Ah, se propage en trois. Bon, ah bah ça va être rapide, hein. Bon, bah, c'est pas grave. Il faut bien qu'on dégomme des gens. Bon, on se met en position. But, c'est d'y aller intelligemment, bien évidemment. Tu demandes un partage de connaissances. Mais oui, mon ami, c'est tout ce que tu veux. J'aurais bien voulu avoir ça. Mais on l'aura pas. Ça, c'est con. Bon, on deviendra révolutionnaire, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nouvelle colonie, s'il vous plaise? Non, toujours pas. Ah, il veut pas. Hein. Ah, avant que ça pète, j'aimerais bien faire ça. Non, tu veux pas? Ah, ben voilà. Ça, moi, j'ai moins de trucs à gérer. Province, je te donne ça. Une province, je te donne ça. Accorder une province, je te donne ça. Est-ce que maintenant, ça, c'est dans quel état? C'est chez moi, donc tu touches pas. Voilà. C'est quoi tort? Ah, la Colombie italienne. Ouais, colonie de la couronne, ouais, ça me va. Parfait. Alors, on va juste se préparer de se mettre en position. Ah, le petit 10% de morale, parfait. Ouais, m'en fous. Récolte abondante, ouais. Tant mieux. Ok. Bon, bah, France. Auf Wiedersehen. Je pense que ça devrait le faire. Hein. Ottoman co-belligérant. Pour de la. Ce sera de la reconquête. Parce que je pense pas qu'on puisse bouffer tout à la France. Et là, les territoires qu'on va reprendre
pour notre ami Bourguignon seront tellement abusés que je sais pas, c'est du 30, du 20, du 44, du 34, ouais, on pourra pas bouffer plus, hein. Clairement pas. Après, on pourrait peut-être libérer notre petite Gascogne ici. Voilà, on libère la Gascogne comme ça, boum boum. Ouais, ça me va. Allez, let's go. Déclarer la guerre à la France pour de la reconquête. Oui, de la reconquête, moi ça me va bien. Tu mets l'ottoman co-belligérant parce que on s'ennuie un peu. Et bah go, hein, merci. Oups, je suis en guerre. Ça va, c'est petit sur la carte. Lol. Bah intéressant ça. Bon. Nous sommes en guerre. Mince, je fais comme notre président. Nous sommes en guerre. Ah, il a 100 000 hommes, le bourrin, quand même. Hein. Peut-être dépêcher un nouveau stack. Hop, hop. Ok, parfait. Bah là, je pense qu'on peut avancer. On va dire pseudo-intelligemment. Je dis bien pseudo. Hop, on prend l'effort. C'est ce qui nous intéresse le plus. Bon, on a un bon réseau de fortifications chez lui. Bah, un bon réseau d'espionnage. Là déjà, ce qu'on peut faire clairement, c'est aller là et faire coucou. Bloqué. Sans deck. Bon, 0% et ça donne quoi? Ouais, c'est bien. On n'a pas trop de malus grâce à ça. Parce qu'il y a quand même fortification de Vauban, nation chanceuse, démonstration de force, revanchisme, il en a un peu. Et Colline, franchement, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal du tout. Parce que là, là, on sera peut-être à moins 7, si mes calculs sont bons. Moins 35, ah oui d'accord, bah attends, avec le reste peut-être. Non, moins 28, ok. Bon là on fait feu. Et on fait feu. Ok. Bon bah good news hein. Ah ils sont là les autres, parfait. On va se balader un peu avec notre flotte, voir s'il n'y a pas des méchants à combattre. D'accord, gestion de la France. Oh, bon bah voilà, merci. Ouais, ok. On va plutôt aller en Méditerranée alors. Ouais, on va vraiment aller en Méditerranée. Mais espèce d'abruti congénital de... Pardon. Je dis mais des méchancetés. C'est pas grave. Voilà, on a pris Lyon, c'est parfait. Avançons ici. Avançons à côté. Si on prend le sud de la France, au final, c'est pas plus mal. Hein. C'est toutes les montagnes, c'est tout le moment... le période, on va dire, casse-pied, pour rester poli. Oh, mais c'est quoi, ça? Mais oui. C'était des bateaux. Merci. Parfait. Ok, là on peut avancer. Ah oui. L'Auvergne. Le mec, il est en train de développer l'Auvergne dans le plus grand des calmes. Eh oui, à Grougou. J'ai même pas regardé la France, ce que ça donnait. La France développe l'Auvergne en fait parce que c'est l'IA qui fait ça, parce que ça fait du charbon. L'IA, elle développe la province la plus avantageuse. Mais techniquement, elle est pas censée savoir que ça va faire du charbon. Bah si, mais bon, bref, vous m'avez compris quoi. nos ennemis. Saloperie. Les manpower. T'as des troupes, chérie, quand même. Hein. On va pas se mentir. Donc il va falloir se battre intelligemment, je pense. Pas sûr qu'on y arrive hein, sur ce coup-là. Tiens, va dégommer ça. Ça reste l'ottoman. Ça reste pas grand-chose. Voilà. Ça, on pourra faire deux belles paix séparées. Comme on les aime. Là, on va faire feu. Hein, parce que ça reste le sud de... Ah, on peut pas encore. Voilà, là, on pourrait. Feu. Tarat fire. Là, on a fait fire. Bon, je pense que la Méditerranée sera rapidement nôtre. Donc, on va aller là-bas, se battre un tout petit peu, montrer à l'Ottoman comment ça se passe.
Parce que visiblement, il a trop oublié rapidement. Y'a quoi là-dedans? Y'a rien. Ok, on y va. Ouais. Non, mais j'ai plus de canons, mec. C'est bon, arrête, arrête. On a pris la Franche-Comté, c'est très bien. C'est un peu trop proche des lignes ennemies. Alors pour le coup, on va plutôt aller vers... le Toulouseing. Ah, papa le Toulouseing alors. On va aller en forêt, voilà. Oh, bien, je l'avais pas. C'est quoi comme Pokémon? C'est une... Eh, c'est un navire lourd, hein. Cool. Oh, bah ça, c'est gentil. Merci. Bon, bah, on va... Ah, bah, on va aller là, attends. Très bonne nouvelle, on va aller au Toulousain du coup maintenant. Mais je sais, c'est pas sympa pour la flotte ennemie, mais bon, hein, au bout d'un moment. Chacun sa merda. Commerce intercontinental. Ouais, vas-y, pour ce que tu gagnes. Voilà, parfait. Allons ici. La réception de la flotte ennemie. En tout cas, ce qu'il en reste. Moi, ça me fait de la trad navale. Hein. Voilà, vitesse de mouvement augmentée. Parfait. On va aller faire une petite rouste par là. Ça me convient bien. Toi, ici, si je pouvais t'attaquer. Demain. Oh, 31K. C'est honnête. C'est très honnête. Voilà, c'est plus qu'honnête. Même si ce sont des... Oh, parfait. Oh, tu as daillé, frérot. Voilà. Il reste résistant quand même, l'automne. Mais 120, mais comment tu fais? L'absolutisme et l'esprit de corps. D'accord. Bon, bah ça l'empêche que... Voilà. Ok, bon, on va retourner à Constantinople, se réparer un coup. À Toulouse, voilà. Parfait. Le Poitou reste bien en stack compact. Le navire ottoman qui s'est barré dans les ports français, c'est pas les choses que tu vois tous les jours, hein, quand même. Hein. Ah, attends. Donc tu sois lock, t'es lock. Lock-toi. Voilà, parfait. Bon, c'est des montagnes, je suis au courant. Mais, et si je peux y arriver avant lui? Le 11. À tenter. Ouais, c'était prévisible. Mais bon. Voilà. Ok, bah allons là-bas. Bon bah si l'ottoman il clame son premier mois, ça me va. On peut prendre ça, oui, en avance, ça me va bien. Parce que du coup ça va nous permettre de améliorer nos beaux et gros bateaux. Et de prendre ces bateaux là et de leur demander de protéger le commerce à Valence. Et que tu te replies au port en cas de pépin. Voilà. Et... Hein? Jusqu'en combien? 18? Peut-être falloir annexer... Ouais, bon, on va voir, hein. On va voir. Il faut juste dégommer plus rapidement les Français. Bon, une fois Paris prise, je pense que ça sera bon. C'était quoi l'objectif de guerre? Parce qu'en plus, le Messin... Ah, prendre Metz. D'accord. Et oui, on dit Metz, pas Metz. Je précise, parce qu'il y en a qui savent pas... Qui savent pas. Petite division française... Ok, pourquoi pas. Bon, parfait. Tu vas là. Une fois que tu y seras. Parfait. Là, tu y vas. On va avoir du renfort de toute manière. Ouais. Ouais, je sais, mais attends, il y a du renfort. Voilà. Je sais pas où il va aller.
On va le suivre. Sont ces provinces où il peut aller, à mon avis, ça va se compter sur les doigts de la main. Ça, c'est pas sympa quand même. Le sac de Poitiers. Mais ils ont fait ça. Ah, parfait. Bon, ils ont eu le tic de morale, mais bon, ça sera pas suffisant. Nos canons sont là, encore une fois. Et ils font le travail. Non, on va dégommer les Français là. Oui, bien évidemment, l'Ottoman, on va tout bouffer. Hein, c'est un peu notre objectif principal. Bon, Poitiers, c'est là. Oh, oh, mais les gars, prévenez. Prévenez dans ce genre de choses. Moi, je suis là. Je vous attends. Allez, go. Ah, bah attends, go là. Go là. Allez. Ah ouais, mais là, frérot, ça passera pas. Ah si, ça passera, enfoiré. Petit enfoiré. Bon, bah, open fire. Hein. Voilà. Ça, c'est très bien. Ouais, il n'y a pas de raison d'aller à Verdun. Verdunois. Vas-y, si tu veux, amuse-toi. J'ai tout mon temps. Ok, pas de probe. Allez, 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 allez. Ouais, nickel. Bah, ça peut être des montagnes. Au bout d'un moment, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. Voilà. On a remporté le Toulouseng. C'est bien, gars. Je sais pas où il va aller. Mais si je peux dégommer cette armée. Voilà, parfait. Ce corps expéditionnaire, moi ça me va. Au revoir. Je pense pas qu'il crèvera. Hein. Ah si, pardon. Bon, bah parfait. Très bien, bonne nouvelle. Allons au labour, prenons tout le sud de la France. Paris est prise, ok. Donc ça veut dire que je vais aller là. Enfoiré, il prend les sièges à une vitesse l'autre là. Je sais pas si c'est rentable. Non, c'est pas du tout rentable. Bon, bah allons au Poitou. On va sûrement aller dans le sud. Bon, allez, feu à volonté. On ouvre. Parfait. Là, ils vont reprendre Paris, les enflures. C'est pour ça, si on verrouille le haut Poitou rapidement... dommage. Après, il y a ça. Non, ils sont trop là. Ils sont beaucoup trop pour tenter quoi que ce soit. Par contre, on peut peut-être aller au Berry. Parce que pourquoi pas. Ok, bon, on va là-bas. Toi, bah, va dégommer le reste là. Parce que. Ouais, on a perdu Paris, c'est pas grave. Paris, ça va, ça vient. Verdun est compliqué à prendre. Hein. Ok. Oh merde. Pardon. Hop. Verdun est prise. Parfait. Donc ça nous permet d'aller en Brie et ici de les prendre en étau si besoin est. Évidemment ici ça bouge pas. Enfoiré. Voilà, là c'est très bien. Parce que là on va pouvoir les attaquer du coup. Ils ramènent tout, mais s'ils se cassent, c'est qui. Oh. Ok. Alors. Marche forcée. Go. Non. Tu te fous de ma gueule. Mais c'est un scandale. Mais c'est un scandale. Bon, ça va, mais pourquoi il pouvait plus bouger l'autre? Ta mère, on va te dégommer toi aussi. Allô, Poitou. Le mec il veut plus bouger quoi. Non, je suis à Anjou, j'y reste. Allez, dis au revoir toi. Parfait. Metz, on va le prendre. Des séparatistes criméens, je suppose. Bah oui. Allez, go. Attends, il y a Adal qui est là. Visiblement, il hésite. Ah, c'est bon, il a arrêté d'hésiter. C'est bien.
Alors, Ottoman, demander la paix. Bah oui, bébé, oui. Eh ben oui, eh ben oui. Eh bah oui, eh bah oui, eh bah oui, eh bah oui, eh bah oui. Est-ce qu'on sent ce qui est en train de se passer? Moi, je le perçois en tout cas. Putain, saloperie, c'est cher la surexpansion. Ouais, mais bon, il faut qu'on bouffe, on n'a pas le choix. Pour eux uniquement, hein, et ça passerait nickel. Bah go, hein. Ta thune. Oh, je m'en fous de ta thune. Casse-toi. Hop là. Alors, la surexpansion, elle est à combien? 118, oui, je connais mieux. Hein. Bon. On va quand même tout légitimer. Centralisation, oui, je m'en fous. Bon, ça devrait aller. Ça va. Après, c'est si gros que ça? Ouais, 33 de def quand même. Bon, pour éviter tous les problèmes déontologiques, on va dire ça comme ça. Voilà. Voilà. Ok, on est bon. On verra bien ce que ça va donner. Hein. Voilà, on va prendre l'objectif de guerre. Ça me va bien. Attends, t'es en train de me dire que je peux aller là directement? Ouais, bah, je vais y aller alors. On renforce les premières lignes. Tu me sors le meilleur général qu'on ait. Mais vraiment le meilleur, quoi. Dommage de feu terrestre. Ah, il est pas mal. On a quoi là? On a un 4. 4-4. Avec ça, je pense que tu vas avoir mal. Alors bon, c'est pas grave. On va renforcer les premières lignes et on va y aller. Alors, dommage au moral, normalement, ça devrait faire vraiment très mal. Ouais. Ouais, pas mal. Ah, c'est sûr que des canons en première ligne, gros, il y a mieux. Hein. Je sais pas où il va aller, par contre. Si on peut essayer de le rattraper. Il va à Rethel? À Rethel? Non, il va pas à Rethel. Il va sûrement aller à Paris. Et bon, on va y aller à Paris. Ouais, il va aller à Paris. Allez, go. Bon, c'est pas grave, ça nous permet d'aller à Paris au moins. Bah, l'Ottoman, bah, c'était sympa. Franchement, on s'est bien amusé. C'était très sympa. Je renvoie un stack complémentaire. Bon, dans le Nouveau Monde, je regarde pas, mais bon. Ah, sans deck. Par contre, on peut concéder la Colombie. Hein. On verra dans le traité de paix. Par contre, ici, oui, il y a ça à faire. La flotte, elle est où? Elle est là. Là, là. Tu vas là-bas. Influence annuelle sur le pape, moins 100. Direct. Ouais. Et là, ça permettrait de faire quoi, eux? Non, ta mère, t'es pas une rive. Ah, ah, je me tâte hein, quand même. Hein. Ration d'alcool. Je sais pas quand il y en a combien qui travaillent dessus, mais c'est violent. Bah, je sais pas, on deviendrait un empire révolutionnaire là? Je crois pas, hein. Non, voilà. Voilà. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Vous voyez ici, il n'y a pas exemple le moral terrestre, il n'existe pas là. Je n'invente rien, il n'existe pas. Non, on a des mécanismes gouvernementaux, convoquer les États. Non, ça c'est de la vérole, ça. De la saloperie. Je suis désolé, mais bon, au bout d'un moment, il faut appeler un chien un chien. République, c'est pour les faibles. Allez, on va là-bas. Dans le jeu, hein, j'entends dans le jeu. Ok. Non, mais ça va bien, là, tout se passe bien. Hein.
Petit enfoiré. Ah, sans deck. Bon, après, à la vitesse à laquelle on légitime, franchement, ça va. C'est qu'une question de temps pour que ça se calme. Allez, toi, là-bas. En Italie, go. De toute façon, bon courage pour prendre l'effort, hein. Tu disais? Non, rien. Mais bon, on continuera ça au prochain épisode. Parce que celui-ci a déjà pas mal duré. Ouais. Prends, c'était qu'à 16 pour... Ouais, non, mais ça, c'est... Une fois qu'on aura repris la capitale... Je sais pas ce que la France a en troupes actuellement. Actuellement, elle a une armée de 120 000 hommes. 170 000 hommes. Bon, la majorité doit être sur le territoire. Voilà, on a enfin remporté Anjou, c'est pas trop tôt, hein. On peut dire qu'on est enjoué. Oh là là. Pardon, désolé pour cette blague vaseuse, mais je me sentais obligé de la faire. Après, attention, parce qu'à force que je fasse ça... ouais. Nouveau canon, feu de l'artillerie. Je sais pas, ils sont tech combien, eux? Ils sont tech 25... ouais, ils ont passé la tech. Alors là, du coup, ils risquent de faire un poil plus mal. Donc du coup, il va falloir les attaquer de façon... pragmatique. Voilà. Oui, pragmatique, c'est ça, grosso modo. C'est j'avance, je défonce. Parfait, ça. Renforcement des premières lignes. Ça donne quoi, ça, concrètement? Non, mais là, d'accord, là, on les démonte, hein, normalement. Voilà. Ouais, voilà. Et on va un petit coup à Reims, et après on va un petit coup à Paris. Ah mais viens, pas peur. Bon bah on va là. On va... Ah, Valois c'est bloqué? C'est Rotel qui bloque? Ah non, c'est le Chartrain. Ok. Mais bon, comme je vous ai dit, on verra ça au prochain épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et je vous dis à plus les gens.